Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle Headboxing, donc nouvelle Headboxing partenaire 2020, un des partenaires 2020. Donc je vais vous montrer, donc ce sera une petite vidéo, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il m'a envoyé, bah, ce que j'ai choisi parce que je vais vous expliquer un peu comment que ça se passe. Donc on est en contact, lui et moi. À partir de là, lui me demande d'aller sur AliExpress, bien sûr, puisque c'est sur AliExpress, d'aller dans sa boutique. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ferai défiler sa boutique là ou là, je ne sais pas. Je verrai là où j'ai le plus de place. Je vous ferai défiler un peu sa boutique pour voir, pour vous donner un peu une idée de ce qu'il a vite fait, quoi. Donc voilà, donc comment ça se passe exactement? Donc je vais sur sa boutique. Je passe une commande, voilà, je choisis, donc il m'a dit, tu choisis 5 leurres, bah, tu choisis 5 objets, bah, 5 leurres. Hein. Et tu passes commande, mais tu finalises pas le paiement. Voilà, voilà comment que ça se passe, et à partir de là, je lui envoie un message en disant, voilà, c'est bon, j'ai passé commande, donc lui va sur la boutique, va sur son compte, et me change le prix, donc là, en gros, ça m'est revenu à 1 centime, hein. Voilà, 1 centime, parce qu'ils changent le prix, c'est plus pratique pour eux de faire comme ça, après, bon, ça me coûte, ça fait, donc ça me coûte 1 centime, et PayPal me prend 80 centimes, donc ça me fait 81 centimes les 5 paquets de l'heure, bon, ça va, hein. Donc ils font comme ça, ils le font tous maintenant, donc S-Fishing fait comme ça avec moi, eux font comme ça avec moi, et puis WK, donc le nouveau partenaire, un des nouveaux partenaires, fait comme ça aussi. Voilà, donc ben, je vais vous montrer, sans plus attendre, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai commandé, et donc j'ai commandé déjà, voilà, donc c'est vendu par deux, donc c'est des, voilà, des shads coloris perche, phosphorescent dans la nuit. Donc il y en a deux dans le paquet. Le paquet, le voici le packaging. Alors pourquoi je ne les ai pas mis dedans? Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je ne vous les montre pas dedans. Parce que le packaging est beaucoup plus petit que les leurres. Voilà. Donc quand j'ai vu les leurres dans les paquets, je me suis dit, waouh, la queue, je me suis dit, ça y est, c'est tordu de chez tordu. Et effectivement, je vais y arriver. Effectivement, quand je les ai sortis, les queues étaient comme ça. Je vous mens pas, les queues étaient comme ça dans le paquet. Voilà. Je me suis dit, waouh, là ça va être galère pour essayer de les détendre. Et j'ai trouvé la solution pour les détendre. Voilà. Donc en même temps, je vous balance le truc. Donc vous prenez vos leurres. Donc paniquez pas, parce que vous voyez le résultat comment il est maintenant. Hein. Donc les leurres, voilà, ils ont récupéré leur forme. Donc, c'est simple, vous les trempez dans l'eau bouillante, vous les laissez à peu près 5 minutes. Quand je dis dans l'eau bouillante, c'est vraiment dans l'eau bouillante. Vous les laissez à peu près 5 minutes dedans. Ensuite, vous les sortez et vous les étendez comme ça par la queue et vous les laissez refroidir comme ça. Et vous allez voir, après, voilà, le résultat des queues, les queues sont droites. Voilà, ça c'était juste pour vous expliquer qu'il n'y ait pas de panique quand vous les recevrez, si vous les commandez. Et c'est vrai que le packaging est vraiment, vraiment, vraiment petit par rapport aux leurres. Mais lui, il ne fabrique pas les leurres. Je pense que lui, vu le nom de sa boutique, de toute façon, il n'a pas un paquet identique. Donc moi, je pense que lui, c'est un revendeur. Voilà. Ensuite, ce que j'ai reçu, j'ai reçu les leurres là aussi, là, pareil, des shads. Donc, comme vous voyez, hein, il n'y en a pas, vous voyez, c'est pas du tout le même nom. Donc, pour moi, c'est un revendeur. Après, on s'en fout, hein. Pas cher, franchement, c'est vraiment pas cher. Donc, j'ai choisi ceux-là, pourquoi? Parce que, franchement, quand j'ai vu le coloris, sur sa boutique, il m'a plu, hein. Quand je l'ai eu à la maison, franchement, quand j'ai vu le jaune pétant et le vert pétant comme ça,
Ouais, franchement, je suis pas déçu de la couleur. La qualité, pareil, c'est vraiment une bonne qualité. Donc, en taille sur le dessus, en taille sur le dessous pour les montages texans. Donc, c'est vendu par 3. Donc, ils font 13 cm. Ensuite, je les ai pris aussi en coloris perche. Donc voici le coloris perche. Donc ouais, franchement, il est vraiment top aussi, il est vraiment beau. Donc pareil, hein, au niveau de la souplesse, regardez la queue, hein. Donc pour ceux qui trouvent que c'est pas assez souple à leur goût, vous les trempez dans l'eau bouillante et puis vous les laissez refroidir comme ça et puis vous verrez, ils seront un peu plus souples. Ensuite, on va passer au leurre dur. Donc le leurre dur, bah, j'ai choisi un crank. Voilà, en 7 cm pour 11 grammes, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc je pense que je changerai les triples parce que je les trouve un peu petits ou pas, je sais pas, je n'en sais rien, je les trouve un peu petits. Je sais pas, je verrai. J'en mettrai peut-être un peu gros derrière. Voilà, donc super crank. Donc pour prospecter, ben, c'est bien, hein. Donc ça, à mon avis, ça, vu la bavette, donc je pense que c'est un crank qui doit descendre entre. Entre 1,50 m et 2 mètres, ou peut-être un peu moins. Voilà, donc pour prospecter, c'est nickel. Ensuite, ce que j'ai pris aussi, j'ai pris un leurre de surface. J'ai pris un leurre de surface. Voilà. Donc, quand vous le lancez, ben, il part comme ceci. Quand il arrive dans l'eau, ben, voilà, ça fait des ailes. Donc ça ressemble un peu au leurre de chez Savasbir. Je parle au niveau de la nage, hein. Vous savez, la chauve-souris là. Eh ben, c'est le même principe, hein. Quand il arrive dans l'eau, ben, il nage le crawl. Donc c'est un leurre de surface. Donc j'ai pris le coloris là, donc c'est le coloris, coloris pike. J'ai pris le coloris là parce que ben, je l'aime bien. Mais il y a plusieurs coloris, vous verrez, hein. D'ailleurs, si vous avez regardé un peu la petite boutique sur le côté, vous avez dû voir que il y a plusieurs coloris. Voilà, donc comme je disais, c'est une petite vidéo. Donc il y avait 5 5 objets. Derrière suivra l'autre unboxing de chez WK. Alors pourquoi je ne fais pas tout ensemble? Parce que le vendeur veut que je lui comment? Le vendeur veut que je lui envoie le lien de la boutique, comme ça il pourra voir. Donc c'est pour ça que je ne fais pas les deux en même temps. L'autre sera fait juste derrière. Voilà les gars, donc je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars, à plus.